même professeur qui fait je dis là si mon yo capable bail résultat ça. Et ça fait que malgré nous connaît un pile petit problème, il y a un pile petit carence, petit faiblesse, mais professeur yo et bien yo là y a kembe et c'est grâce à eux-mêmes qui fait que élève yo a développé capacité que yo gagne. Donc, encore une fois, c'est comme le juge rappelé nous, ce n'est pas la première fois que Keshner a pris l'initiative de ça. Ma problème, Keshner était maire en 2013. Donc, nous étions en mairie ensemble avec lui. Nous étions déjà honorés, mettez à l'honneur des élèves qui étaient Timoun, 4e section. Pas vraiment rappelé nous, même si j'ai quelqu'un qui fait petit Wagner, lui. Qui était lauréat communal en 6e année, ou 6e année fondamentale. Et nous avons une qui sorti la série, qui était lauréat pour 9e année fondamentale. Nous avons une belle cérémonie, le Mijan, pour nous honorer tout le monde, ça, par un bel certificat. Ça, c'est pour la deuxième fois que nous prenons l'initiative ça pour nous faire ça. Si nous voulons, c'est eux-mêmes qui prennent le remplacer, moi. C'est eux-mêmes qui prennent le remplacer, Keshner tout ça. Donc, ça fait chaque jour, nous prenons la relève générationnelle assurée. La relève générationnelle assurée, chaque fois, nous prenons ça nous-mêmes et nous encourager la jeunesse là, pour qu'ils remplacent nous demain, mais ils ont bien remplacé. C'est ça que je dis, générationnelle, la relève générationnelle assurée. Qu'elle nous connaisse, si nous sommes capables de remplacer, mais nous assurons que. Même travail que nous avons fait, que nous-mêmes, nous allons faire le plus bien que nous-mêmes. Encore une fois, nous disons tout pareil, tout le monde qui nous a assisté nous là, merci. Et nous-mêmes, équipe Radio Voix Paysan, nous continuons à faire des bagages positifs. Non seulement vous mettez élèves, vous professeurs en valeur, mais vous mettez abricot en valeur pour nous voir abricot côté nous-mêmes, nous ne pouvons pas arriver. Encore une fois, nous saluons Petit, qui a fait un gros travail. Nous saluons tout le staff et espérant. Et nous saluons. Jidwa Kaseïs alias Citata, qui lui-même capoye l'image d'Ayo à travers le monde. Et belle manière ça que nous là, tout le monde sa yo, et bien c'est pas seulement Abricot qui a regardé, et bien image au bralé, bon ensemble de monde, Abricot qui peut être qui à travers le monde, et bien qui va vivre tout ça que nous vivons là aujourd'hui. Encore une fois, nous disons merci, continuez à amuser nous, donc petit ou remigo. Merci beaucoup. Merci Maïssa Garol et collègues Panouissien, même la Radio Babé Jabuko. Donc nous avons un lauréat qui n'a pas arrêté à cause de l'évaluation. Donc on n'a pas laissé les suites pour qu'elle soit capable de placer mot et de remerciements à l'endroit de Radio. Ça c'est le premier lauréat 9e dans nous quoi. Avant de nous dire bonsoir, merci en pile pour le projet ça a fait avec nous et m'a souhaité ça toujours été comme ça. D'accord, merci. D'accord, Fénelon et Zunaïka. Nous espérons que vous faites back-to-back là. Et très prochainement, nous allons avec un baccalauréat. Donc, nous vous babayons. C'était un plaisir pour nous te gagner ici à même et dans la radio. Donc, restez sous mes là et continuez le travail et pour que vous permettez à la famille ou même tout, vous faire bonnet et tout. Et très bien, au nouveau le professeur, donc on va placer moi. Et bien, du même coup, nous allons passer le micro à Zadora, qui est le troisième lauréat et l'école Saint-Joseph qui veut placer vous. Monsieur le directeur de la station, Toussaint Keshner, la directrice du collège Saint-Joseph, Sœur Excellence Auxilia, Sœurs parents, professeurs, amis, camarades et invités, bonsoir. Monsieur Keshner, en reconnaissance à votre passion pour la jeunesse abricotine, le collège Saint-Joseph et moi vous remercions. Juste à faire rayonner l'éclat de l'éducation à travers votre station de radio qui représente la seule voix ondulaire de la commune Abricot. Je suggère aux élèves de l'éducation
Mikoa. Madame, ces gens qui nous ont dit là, on est capable de remarquer ces cérémonies lauréat communal qui a continué dans la cour adjoint puisque nous connaissons 24 l'année, 28 novembre 2018, 28 novembre 2022. Ça fait 24 l'année depuis Madjouba Beza Abouko a bail service dans la communauté à côté PDG ensemble avec staff adjoint qui mettait ensemble pour être capable d'honorer. Et 4 lauréats dans la catégorie 9e et 4 lauréats dans la catégorie 9e. Quand même, c'était une voix féminine. Et si je ne constate, on ne voit pas sortir tellement aussi fort. Parce que le troisième lauréat, qui c'est Zadoa la douceur, il n'a pas vraiment élevé voix. Une façon pour le combler public. Donc, on va passer le micro à lauréat lycée national qui n'est pas présent, mais maman l'a fait et tout moyen nécessaire pour que lui-même soit capable de venir récompenser. Visite-lui. Madame, bonsoir encore une fois. C'est un plaisir pour nous te guérir. Et nous comptons, puisque vous avez fait déplacement pour venir et récompenser en place et visite. On m'a dit tout parent, bonsoir. Et puis m'a dit radio, bonsoir à tout. Et puis gros chaîne, merci. Et puis m'a dit tout parent, qui veut faire me parler, pas décourager à élève, jeune garçon, jeune fille. Nous qui veut là, intéresser l'école là, pas décourager, ou je pense à la compte à tout. Très bien, la bonne applaudissée. Et bien, Maïssa Gayol, si on place au mot, et pour ce Delva Fidlet, le troisième lauréat. Une grande salutation à tous et à toutes. On met dans le football Delva. Je te fais reconnaître jusqu'à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi pour que je puisse. Remercier M. Kushner et à tout staff radio Voix Paysan Abouko de ma voix.